le sentiment, c'est de la fierté, parce que c'est vrai que on ne s'attendait pas, peut-être pas à avoir une CAN aussi réussie, et sur le terrain et en dehors. Aujourd'hui, on est tombé sur une équipe plus forte que nous, plus forte que nous, plus fraîche aussi. Après, on a espéré renverser un peu la situation sur la fin de match en revenant à Doha, mais c'était un peu tard. En tout cas, c'est une super CAN et les filles peuvent être fiers de ce qu'elles ont fait. Aujourd'hui, il n'y avait pas de la pression. On peut dire que les joueuses n'ont pas l'habitude de jouer devant des milliers de supporters. En quart de finale, il y en avait tout autant, en demi, il y en avait tout autant, donc la pression, j'ai senti une équipe qui était sous pression, au contraire, j'ai senti une équipe qui avait envie de se faire plaisir, de jouer le match, de gagner. Après, on a joué avec nos armes aussi, on était un peu, je pense, le match du Nigeria nous a fait beaucoup mal physiquement. Mais on a joué jusqu'au bout, on a été jusqu'au bout de nos forces, et ça, c'est une bonne chose. Recevoir un appel téléphonique de la part. Vous avez reçu un appel de la part du roi. Mohamed Thiès, c'est quoi votre sentiment? La fierté aussi. Il est fier de ses joueuses, il est fier de son pays, il est fier de ce que les filles ont fait. Enfin voilà quoi. Aujourd'hui, même si on perd cette finale, c'est quand même une victoire. C'est quand même une victoire du foot féminin marocain, et ça, c'est quelque chose d'inestimable. Merci.